Alors l'Eurotop, c'est quoi en fait? C'est tout simplement un système de plancher qu'on a adapté pour la surface au plafond, dans laquelle on va avoir un fluide caloporteur, généralement de l'eau, hein, qui va permettre à la fois de chauffer ou de rafraîchir une surface. Ce produit est adapté pour la rénovation et les constructions neuves. C'est un plafond chauffant et rafraîchissant, donc à la fois on va pouvoir chauffer un environnement, des pièces, etc. Mais on va pouvoir aussi rafraîchir pour abaisser les températures. Du fait que c'est une installation au plafond, on va avoir beaucoup moins d'obstacles à l'émission de chaleur ou alors pour le rafraîchissement. Et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que le rafraîchissement est beaucoup plus important lorsqu'on a une installation au plafond, du fait que l'air chaud monte et entre en contact direct avec notre surface rafraîchie. De plus, contrairement à une climatisation, les systèmes de plafond rafraîchissant n'assèchent pas l'air et sont totalement silencieux. Dans un premier temps, il est nécessaire de réaliser une ossature primaire avec un anthrax de 50 cm. Ensuite, perpendiculairement à cette ossature primaire, on va venir insérer des clips de fixation, le bloc, qui va nous permettre de créer justement à l'arrière de l'ossature une ossature secondaire qui, elle, va nous permettre de venir fixer nos dalles. Ces dalles-là vont être maintenues à l'aide de deux autres fixations, le crochet et le sapin. Ces fixations-là vont permettre justement de la verrouiller au plafond. Une fois qu'on a réalisé cette opération, on va pouvoir installer nos diffuseurs virages. Donc ceux-là, ils vont nous permettre de faire les demi-tours pour nos boucles. On installe notre tube et on fait le raccordement au collecteur. Pour ensuite venir terminer avec le parement final, donc type plaque de plâtre. Le seul prérequis est la hauteur minimale souffle au plafond qui doit être de 2,40 m. Concernant le revêtement final, il n'y a pas de contrainte particulière. On va pouvoir mettre un élément type plaque de plâtre, ce qu'on veut, hein, BA13, BA15, etc. En ce qui concerne les spots ou bien encore les VMC, on a des réservations qui vont être prévues pour. Enfin, le système a été conçu pour intégrer justement ce type d'éléments dans notre plafond.